Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et attaquer les premières étapes de cet audit constitutionnel citoyen. Par quoi commencer ? Bien, je vous propose de commencer par le texte plus ancien, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle du 26 août 1789 et non pas celle du 24 juin 1793, car nous savons tous qu'il y a eu plusieurs versions successives de cette DDHC, mais que c'est la première, celle de la rédaction bourgeoise d'août 1789, à une époque où la France n'était pas encore une république, mais une simple monarchie constitutionnelle avec un pouvoir exécutif entièrement entre les mains du roi, c'est cette rédaction qui a été choisie en 1971 pour être intégrée et faire partie de la Constitution actuelle. Il serait d'ailleurs intéressant d'étudier l'incidence du remplacement de cette version de 1789 par la version montagnarde de 1793 au sein de la Constitution actuelle, en regard notamment de la conformité ou pas d'un certain nombre de lois, mais bon, ce serait un autre débat fort instructif, mais à mener peut-être dans le cadre d'une communication ultérieure. Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégrée au bloc constitutionnel français en 1971, sous le règne de M. Georges Pompidou. Article 1er de l'égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. Alors la DDHC commence ainsi très fort en s'en mêlant d'emblée les pieds dans le délicat concept d'égalité, concept délicat certes, mais ô combien fondamental puisqu'il préside, pas moins, à la grande devise nationale, liberté, égalité, fraternité, inscrite sur tous les frontons des mairies de France. Ainsi, cet article liminaire du texte principal majeur de notre Constitution nous apprend que tous les citoyens sont égaux en droit, ce qui est tout de même la moindre des choses, et nous rassure sur le fait qu'aucun citoyen ne peut bénéficier de droits supérieurs à un autre, tout au moins devant la loi. Dont acte, car c'est bien ce qu'il faut comprendre de l'utilisation du terme « égal en droit », qui veut bien dire égal devant la loi. Mais nous remarquerons tout de suite que cette garantie minimale d'égalité devant la loi ne s'accompagne nullement d'une garantie d'égalité devant la vie sociale, c'est-à-dire d'une égalité des chances, ou encore d'une égalité des conditions d'accession à un revenu suffisant. Autre façon de formuler l'égalité des chances. Mais que, bien au contraire, la DDHC entérine l'inégalité sociale en l'affublant d'un critère abscon d'utilité commune. Utilité commune, critère à la fois peu clair et peu précis. Double caractéristique, utilité commune, présentant par ailleurs l'insigne avantage de ne pas entrer en contradiction avec aucun autre article. Ce qui est très clair néanmoins, à la lecture de l'article 1 de cette DDHC, c'est que l'inégalité entre les citoyens, pudiquement dénommée distinction sociale, est entérinée. Entérinée comme un fait acquis, et même plus un fait constitutionnalisé. Ce qui paraît incohérent avec la devise liberté, égalité, fraternité. Nous affecterons donc à l'article 1 de la DDHC une pénalité pour imprécision sur le terme distinction sociale, une pénalité pour imprécision sur le terme utilité commune,
et une pénalité pour incohérence entre l'affirmation de l'égalité et l'acceptation de l'inégalité, soit deux pénalités pour imprécision et une pénalité pour incohérence. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à réagir sur cette première présentation de Christian sur ce premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je veux bien m'y essayer, c'est comme tu veux, Guillaume. Oui, vas-y, Luc. Ok, donc je peux commencer. Alors, merci déjà à Christian d'avoir fait cette analyse critique. Hein. J'ai répété l'article, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Moi, je vois deux concepts mis en avant ici. Hein. C'est la liberté et l'égalité. Donc, les hommes sont libres, ils naissent libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas esclaves, ce qui n'allait pas forcément de soi, ni hier, ni peut-être même aujourd'hui. Hein. Donc je pense que c'est pas... Et ils le demeurent. Donc, je pense que dans une déclaration, c'est un minimum qu'il faut avoir, je dirais. Mais je dirais que ce concept de liberté, bon, qu'on va retrouver peut-être un peu plus loin dans d'autres articles, c'est vrai que là, on est très une expression, je dirais, minimale. La liberté étant, à mon sens, la liberté de faire des choix réels en tant que maître de soi-même, en tant que personne souveraine, que citoyen souverain. Après vient cette histoire de l'utilité commune qui est effectivement un concept, comme l'a souligné Christian, absolument flou et qui mérite d'être précisé. Si on devait le préciser, je dirais qu'il faut le préciser vis-à-vis notamment des devoirs de chaque citoyen vis-à-vis de la société. Et cette utilité commune est donc exprimée normalement, pour ne pas être flou, elle doit être exprimée par la loi. Et donc, l'utilité commune vis-à-vis des autres membres de la société, mais également vis-à-vis de soi-même. La préservation de soi-même, à mon sens, fait aussi partie de l'utilité commune. Les distinctions sociales, alors là, pour le coup, on entérine effectivement l'inégalité. Après, bon, est-ce que l'égalité absolue doit être recherchée? Ça, c'est vraiment une autre question. Effectivement, je pense qu'il faut viser à l'égalité des chances, comme l'a souligné Christian, c'est-à-dire l'égalité au moins de départ. Après, l'égalité, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter, c'est un sujet délicat. Souvent on entend parler les gens d'équité, notamment pour remplacer l'égalité. Moi personnellement je préfère le terme d'égalité parce que l'égalité est quelque chose que l'on peut mesurer a priori, que l'équité ne peut se mesurer qu'a posteriori, et vouloir corriger les choses a priori, sauf si on a constaté des biais durables clairement identifié, répétable, vraiment très bien identifié, et effectivement, à mon avis, extrêmement dangereux et porteur d'effets pervers. Bon, là, je m'écarte un petit peu de ce qui est dit là. Mais voilà, en gros, ce que je pourrais dire sur ce premier article de la DDH. Merci, Luc. En ce qui me concerne, merci aussi Christian pour la présentation critique. Et je comprends la première partie et je suis d'accord avec
de l'égalité et de la liberté de la naissance et puis tout le long de la vie, puisqu'on le demeure. Et je pense que l'article pourrait s'arrêter ici et se suffirait à lui-même. La deuxième partie rend les choses confuses à la fois parce qu'elle nomme des concepts difficiles à comprendre et aussi parce qu'elle est contradictoire, comme l'a souligné Christian avec la première partie. Peut-être qu'il y a une intention malhonnête ou perverse derrière, ou alors peut-être qu'il y a la compréhension que l'idéal d'égalité totale, pleine et entière est difficile, voire impossible à atteindre, et que donc c'est par la loi qu'on essaye de justifier le fait qu'il ne peut pas y avoir nécessairement tout le temps entre tous les individus la même égalité. Mais pour justifier cette deuxième partie, si elle devait rester, si l'article devait rester tel quel, il faudrait alors, soit dans le même article, soit plus tard dans la Constitution, soit dans une annexe qui expliquerait chaque concept, véritablement expliquer ce qu'on entend par utilité publique, utilité commune et disposition, j'ai fait le lapsus, distinction sociale. J'ai fait un lapsus. Voilà. C'est utilité commune. Utilité commune et distinction sociale. En l'absence de précision sur ces deux termes ou concepts, j'estime que la deuxième partie de l'article, la deuxième phrase, est problématique, voire nulle et non avenue. Voilà. Christian, je te redonne la parole. Oui, ça. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est tout à fait vrai. C'est la deuxième partie qui pose problème, parce que la première partie, à la limite, bon, en recontextualisant, on arrive à la comprendre et quelque part, elle pose pas de problème. Après, il faudrait effectivement définir tous ces termes et plus en détail la liberté, l'égalité, et puis si on doit y avoir recours, l'utilité commune et alors encore plus la distinction sociale. Manque de précision, c'est clair. Ce sont tes pénalités, je crois, Christian. Oui. Alors, je voudrais faire un petit aparté méthodologique. Alors, je ne sais pas si tu peux couper ou pas. Il faut voir si c'est utile au format que nous développons. Ce que on fait, en tout cas ce que je fais là, c'est une analyse critique du texte constitutionnel. Parce qu'à partir d'un texte constitutionnel, on peut partir sur tout un tas de raisonnements, on prend un mot, à partir de ce mot, on regarde comment il déclenche, comment il se reflète par rapport à des grands domaines sociétaux. Mais là, l'objectif, effectivement, c'est un audit, avec une notation. Alors, l'introduction n'a pas été mise, elle fait partie d'une autre vidéo où on dit je vais étudier la Constitution, c'est-à-dire d'abord la DDHC, ensuite le préambule de la Constitution de 1946, ensuite la Charte du gouvernement et la Constitution de 1958. Et puis, on va avoir un système normatif de normes où on va regarder la clarté, la précision et la cohérence interne et externe. La cohérence interne, c'est la cohérence au sein d'un même article, si on s'aperçoit qu'il y a des choses contradictoires à l'intérieur d'un même article. Et la cohérence externe, c'est qu'un même article va être contradictoire avec un autre article ou, disons, une loi de niveau inférieur. Donc, à partir de cette grille d'analyse extrêmement précise, que j'ai voulu rigoureuse, on va affecter donc des pénalités liées à l'imprécision, au manque de clarté et à l'incohérence. Bon. Donc, il s'agit effectivement de critiquer les articles un par un en disant tout simplement le caractère toxique ou pas qu'ils peuvent avoir par rapport à ce système de normes. Donc, en fait, on ne s'attache pas forcément au fond.
Parce que sur le fond, on va pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut, ce serait bien de faire ça, mais ce n'est pas bien de faire ça, oui, il faudrait mieux faire ça. Bon, là, on regarde simplement si ce qui est dit, c'est que c'est cohérent, c'est clair, est-ce que c'est contradictoire? Bon, ce qui fait que, au niveau méthodologique, il faut se mettre d'accord pour effectivement prendre cet aspect vraiment objectif ou bien rentrer dans l'analyse subjective. Voilà. Bon, alors pour ce qui concerne l'élément objectif, si on décortique la phrase, les hommes naissent libres et égaux en droit. Libre, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que la liberté. Les hommes. Alors, bon, effectivement, là, ça vaut le coup, effectivement, de recontextualiser cet article, parce que c'était la fin de l'esclavage. Bon. Avant la déclaration des droits de l'homme, il y avait encore de l'esclavage, et effectivement, certains hommes pouvaient ne pas naître libres, hein, parce qu'ils n'étaient pas libres, parce qu'ils étaient attachés à un maître. Bon. Donc, effectivement, recontextualiser, mais bon, il faudrait le dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, en 1971, on annexe à la Constitution ce texte-là, bon, il faut avoir uniquement sur cet article 1, c'est le seul, je pense, qui a nécessité d'être recontextualisé, et uniquement pour la première phrase qu'il contient, c'est effectivement cette notion de liberté, parce qu'ensuite la liberté, elle va se décliner en liberté positive, liberté négative, mais là il s'agit bien uniquement de la liberté, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'esclavage, il n'y a plus d'esclavage, voilà ce que ça veut dire. Bon. Ensuite, égaux en droit, bon, eh bien, effectivement, c'est là, on va avoir une contradiction interne, puisque immédiatement après, on dit qu'ils peuvent ne pas être égaux. Bon. Donc, cet article pose un vrai problème. Et de ce point de vue, il n'y a rien pour le rattraper. Ah. Alors, les distinctions sociales, on comprend bien ce que ça veut dire. Je pense que c'est très clair, une distinction sociale. C'est que, socialement, on dit distinguer. Le critère de distinction, c'est l'utilité commune. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus utiles, d'un point de vue commun, d'un point de vue bien commun, vont être plus utiles que d'autres. Donc, cette distinction sociale. Alors, on va retrouver ça. Évidemment, ça justifie le parrainage, ça, si on regarde bien. Bon, c'est-à-dire qu'on va avoir des candidats qui sont plus utiles, vont être jugés par le collège des 36 000 maires. Hein. Bon, alors là, l'utilité commune, par qui va-t-elle être jugée? Alors, dans le système, dans l'article 44 du code électoral, on te dit que l'utilité commune, là, elle va être jugée par le collège des maires. Bon, voilà, bon. Mais on s'aperçoit finalement que l'article 1 de la DDHC, il ouvre la possibilité de dire, bah oui, regardez l'article 1, il dit que on peut distinguer les gens selon leur utilité commune. Mais on ne dit pas qui en décide, bon, très bien, on dit pas qui en décide, mais écoutez, plus loin, nous, dans l'article 44 du code électoral, on dit que c'est les maires. Hein, tu vois? Voilà comment on ouvre, disons, le champ de l'arbitraire en mettant des articles qui sont ni précis, ni clairs, ni cohérents. Déjà d'emblée avec l'article 1, ça commence bien. Ok, juste je voudrais rajouter que quand Luc parle de recontextualiser l'écriture de l'article, tu dis, Christian, qu'effectivement à l'époque il y avait des esclaves, mais je me demande si Luc ne parlait pas simplement du fait que tous les Français en fait étaient des serfs, des sujets subordonnés au roi, non? C'est pas ça que tu voulais dire, Luc? Oui, je voulais dire les deux, enfin… Il n'y avait pas forcément que des serfs, hein. Mais effectivement, ils étaient des sujets, mais il y avait aussi la question de l'esclavage. Alors, le recontextualiser, oui, certes, mais on devrait réécrire une DDHC, ce que nous avons fait, hein, dans une certaine mesure. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même affirmer et réaffirmer. Ça a sa place, même si c'est un peu daté, etc. Dire que les hommes sont libres d'eux-mêmes est une chose qu'il faut de toute façon affirmer. C'est pour moi, c'est ça fait partie des choses éternelles justement et intemporelles. Donc, on peut expliquer parce qu'aujourd'hui, c'est plus expliquer pour, c'est recontextualiser pas tant pour
pour l'époque, mais pour les gens d'aujourd'hui qui ont parfois la mémoire un peu vague de ce que de l'importance de certaines tournures de phrase. Je reviens sur l'histoire de la liberté. La liberté, on ne peut pas dire les hommes naissent libres si on ne dit pas ce que c'est que la liberté. Dernier point que je rajouterais peut-être avant qu'on passe. On peut passer aux deux là. Voilà, avant qu'on passe au deuxième, c'est que cette critique du manque d'explication des mots, tels que ici liberté, égalité, on va le retrouver en réalité tout au long de la déclaration des droits de l'homme, parce qu'il faudrait y accoler un glossaire, et que ça, il n'y est pas, et donc ça sera la problématique tout le long. Donc ça oui. va être. Ou que les articles eux-mêmes précisent les concepts qu'ils manipulent. Voilà. Oui. Très bien. On peut passer au second. Bonjour tout le monde. Comme je n'ai pas pu assister au débat sur le premier article, je vais effectuer un commentaire à part, en ayant quand même vu l'exposé de Christian, qui est comme toujours un exposé critique remarquable, et en rebondissant aussi sur les commentaires de Guillaume et de Luc. Alors, si je dois retenir un petit peu ce qui a été dit sur cet article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Donc, de ce que vous avez dit, il y a l'incohérence entre la première partie et la seconde partie qui pose problème. Mais pour moi, même la première partie pose problème. Alors la deuxième partie, évidemment, déjà, cette notion d'utilité en société me fait horreur. Dire qu'éventuellement, il y aurait des gens utiles et des gens inutiles, c'est, je crois, quelque chose qui peut mener à la société la plus monstrueuse. Mais, revenons sur cette première partie. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pour moi, ce principe est inapplicable. En plus d'être complètement faux. C'est-à-dire inapplicable tout simplement parce qu'un enfant n'est pas légal en droit d'un adulte. La personne qui a été condamnée à la prison n'est pas légale en droit de la personne qui demeure libre. La personne qui est dans son logement locataire n'est pas la personne... n'est pas légal en droit de la personne qui est dans son logement propriétaire. Elles ne peuvent pas faire la même chose. L'étranger n'est pas légal en droit du citoyen qui est ressortissant du pays national. Donc, cette égalité de droit n'est pas possible dans son application. Ou alors, si nous devions absolument faire une égalité parfaite en droit de toutes les personnes, il n'y aurait plus de condamnation, il n'y aurait plus de distinction entre l'adulte et l'enfant. Un enfant pourrait, dès la naissance, à ses premiers gazouillements, aller voter au bureau de vote à la première élection venue, ce qui, ma foi, ne me semble pas tout à fait concevable. Etc. Donc, cette petite phrase est en fait l'impossibilité de fonder une société, de fonder un système légal, de fonder une justice. Voilà, donc je voulais revenir sur ce première partie de phrase qui me semblait essentielle. Pour l'utilité commune, je vais revenir rapidement dessus quand même. Donc pour répéter que moi ce n'est pas au fond l'utilité commune qui me gêne, mais l'utilité tout court, qu'elle soit individuelle ou peu importe, sa définition ou sa restriction dans un cercle élargi de société, je trouve que cette... notion d'utilité n'a pas sa place pour hiérarchiser des individus dans une société. Voilà,
Merci de m'avoir écouté et à bientôt.